Pourquoi êtes-vous là? Oh, évidemment par colère, mais il faut savoir quelle colère. Et moi je pense que notre colère principale aujourd'hui, elle peut se résumer en un mot. C'est une colère contre le mensonge. Je pense que je m'adresse là à des catholiques. Je pense que, pour un catholique, il n'y a rien de plus insupportable que des politiques qui instaurent le mensonge en vérité officielle et qui institutionnalisent le mensonge. Or, nous avons affaire aujourd'hui à un président de la République qui a institutionnalisé le mensonge. C'est vrai dans sa vie privée, avec une désinvolture incroyable et un mépris de la femme qui est invraisemblable. Et c'est vrai aussi dans la vie publique, puisque c'est quelqu'un qui s'est fait élire pour faire des choses et qui, au bout de 2 ans, sachant parfaitement qu'il ne pouvait pas les faire, dit « Ben, je vais faire autre chose ». Eh bien, s'il veut faire autre chose, qu'il laisse la place aux autres. Autrement dit, qu'il démissionne. Voilà. Je pense que ça, ce serait de l'honnêteté intellectuelle. Je pense qu'entre M. Hollande et l'honnêteté intellectuelle, il y a vraiment la différence entre le jour et la nuit.